Yo les gens, c'est Skyweight et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. Donc voilà, petite partie, petite game aujourd'hui de voilà une heure. Bon, je suis un peu fatigué, il est tard mais pas trop, voilà, pour pas que ça fasse un truc un peu dégueulasse, donc un truc correct, un truc posé, hein, là, voilà, un petit épisode posé, un petit live, enfin un petit live, un petit épisode posé sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. Je sais pas trop ce que je vais faire dans cet épisode, hein, je peux vous dire que je suis un peu perdu. Donc on va continuer de se balader, je pense, hein, tranquillement. Donc voilà, on s'est arrêté ici dans l'épisode précédent. Qu'est-ce que c'est ici? Vergrotte du sang. Est-ce que je l'ai déjà fait cette grotte? J'ai oublié en fait. Oui, je l'ai faite. Ok, donc là on va juste balader un petit peu, essayer de trouver des trucs intéressants. Donc voilà, je suis vraiment content, je suis allé sur internet et je me suis renseigné et j'ai vu qu'on avait quand même vraiment bien joué level 62. Il y a très peu d'youtubeurs qui arrivent à ce level là. Attendez, parce que je suis totalement... Alors j'ai des problèmes de clic, par contre j'ai l'impression. Oh, j'ai des problèmes de clic. Alors... Donc on verra. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelques clics qui marchent pas. Il faudrait que j'aille acheter une souris. Ok, donc je vais acheter une souris plus tard, je pense. Une petite souris ou quoi, un truc à la con. Plus tard, ok. Parce qu'il y a quelques clics qui marchent pas, donc c'est pas très grave. Ça arrive, ça fait pas mal de temps que je l'ai. On va aller en haut. Donc voilà, petit live vraiment très détente où je vais jouer voilà comme ça. Après je changerai d'armure pour prendre, je pense, peut-être une autre armure, hein. Ou quoi, on verra. Et voilà, j'ai terminé Kingdom Rush au moment où je fais cette vidéo, donc c'est cool. Et j'ai passé mon... Ok. Ouais, elle a quelques problèmes de fabrique. N'hésitez pas, on va régler ça, je pense, plus tard. Ok, voilà donc. Vraiment une petite game relativement posée, hein. Je suis vraiment détente. J'ai passé le bac de français écrit. C'est sympa, je pense que là on va pouvoir jouer à des jeux un peu plus calmes, un peu plus peace. Je sens la présence de quelqu'un de fait. Bon, je vais éclater pour les gueules. Voilà, ok, super. On va aller voir la mine là, peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Oh là, mais il y a des ennemis partout là, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien cette petite musique, elle est plutôt calme. Ok, alors maintenant. Ah.
Ouais, pourquoi pas? Alors j'ai pas trop compris pourquoi je me suis fait attaquer par des ennemis. Ah ouais, ça spawn. Quand il me fight là, on n'est pas là pour ça. Ah, les ennemis qui spawnent devant toi, par contre, c'est pas un bon délire. Ok. Bon. Ok, moi je veux, on va aller là-bas plutôt. Je voulais aller derrière, mais finalement, après une certaine réflexion, peut-être que on va plus aller ici. Voilà. Les courants qui nous poussent. Le fameux saut dragon. Il vous faut quelque chose? Ok. À la prochaine fois. Bon, voilà, je me suis renseigné sur internet et on fait partie d'une des plus grandes. D'un des plus grands let's play de YouTube, hein, de Skyrim. Donc c'est intéressant, ça fait plaisir. Donc voilà. Alors, petite mine, est-ce que c'est intéressant? Ardent. Hey, ça a dit que ça tapait pas. Garou et tout. Bon, oh. C'est bon là. Il y en a de l'ennemi. Alors. C'est parti. Ça en fait trois. Je sens la présence de quelqu'un de fer. Ah, vous voilà. Vous voilà. J'oublie que j'ai pas une armure légère. Dès que ça facilite pas trop la tâche. Charbon de bois, je sais pas ce que c'est, mais je prends. Ok. Hop, on va essayer de changer de cri, plutôt mettre aura de perception, ça peut être sympathique. Alors.
Sympa. Ah, là. As, ya. Ok. Bon, voilà, vraiment un petit, vraiment un gameplay détente, hein. Il y a un bail un peu plus sombre par là. Excusez-moi, gratte un peu l'œil. Des herbes épineuses. Oh, c'est sympa ça. Tac. Ah, une coupette j'arrête avec des flèches or que c'est moyen. Ah yes, petit coffre caché. Ah mais je l'ai pris putain. Ok, bon, je suis ensuite, pas trop compliqué. Alors, j'ai bien géré, voilà, un peu de d'archer de temps en temps. Putain, il était fort les boucliers. Passe. Ok, quelques ennemis.
ça va, vu que je suis un pro gamer. Oh non. Voilà, vous voyez le petit problème de flèche. Alors. Là, je suis désolé, j'ai un petit problème de souris en ce moment, faudrait que je la change. Le jeu est pas vraiment airplay, hein. Il détecte pas les torches là. Je suis en bas avec des torches, sans battre les couilles. Hein. Bon, en vrai, je les ai bien snipe. Pas fini fini non plus. Bon, je pense que je peux me balader normalement ici. Ok. Je l'ai bien éclaté. Ah, moi j'adore vraiment jouer archer hein, tout le temps. Je trouve ça beaucoup trop intéressant de jouer archer. C'est trop bien. Pas 15 000 trucs pour dire ça. Archer, c'est trop bien. Puisque effectivement, les gens ont raison. Le meilleur. Perso à jouer c'est l'assassin, puisqu'effectivement il met beaucoup de dégâts. Ok, non, il y a juste un mec qui est là-haut. Ok. J'aime bien cette arme. Je pense qu'avec une vraie amélioration, je veux dire, ça pourrait être sympa. Un adversaire est proche. Ok, what the fuck. Ok, mais ils étaient pas compris ces ennemis, donc c'était un. Ça m'a un peu fait peur.
pas grand chose. Ici, quelques trucs intéressants, éventuellement, effectivement. Du cheddar. Rongeur. Ah, ok, je vois où on est. Là. Ouais. Toi, est-ce que t'es intéressant? Ouais. Allez fort, les frères, j'ai pas votre temps. Et là-bas, du coup, il y a un truc intéressant. Normalement, c'est le truc, voilà, le truc le plus simple, puisque c'est. C'est censé être le truc que tout le monde peut passer. Pas beaucoup d'argent là-dedans. C'était pas un excellent coffre, quoi. Ok, pas mal. Hop, on va descendre par là. Putain, ça flotte pas mal. Hein. Et ta. On va sortir d'ici, voilà. Une petite mine complétée en plus. Et si, ça m'a déco. Ok, on est sorti d'ici. Cool. Du coup, on va retourner. Bon, on a fait une bonne partie du truc, hein, en vrai. En vrai, on a bien fait un peu le tour. J'aimerais bien me voir ce qu'il y a là-bas. Parti. Putain, j'ai chaud, putain. Là-bas. Oh. Battez-vous entre vous, mais laissez-moi partir. Ouais. Et dans cet épisode, on va. J'aimerais bien faire plusieurs trucs, c'est sympa. Genre faire ce donjon et faire cette truc, ça pourrait être sympa. Ok. Là apparemment il y a un mec qui va sortir du sol. Yes.
Ça m'a l'air un peu vide. On va voir comment ça se passe, comment ça se présente. Il y a une tour pourtant. Il n'y aurait pas un passage par X ou Y raison de la tour. Plus qu'à 10% de mon putain de potentiel. Et je m'en veux trop car je perds trop de temps. Allez, mine-moi ça là. Bon. C'était extraordinaire. Super. Toi t'es là, tu remontes par là. Bon, y a pas d'entrée. On va aller là-bas, du coup, vers cette petite maisonnée. Pour information, je pourrais pas la faire pour le moment, parce qu'en fait elle est vide et il faut que j'ai. Voilà, pour information, je ne pourrais pas du coup la faire puisqu'il faut quelqu'un dedans à une certaine heure et cette personne là détient l'un des arcs les plus forts du jeu donc c'est ici, note. Retrouvez-moi ici à minuit. Donc voilà, et du coup je ne peux pas encore faire cette quête. Ok, maintenant, donc là on a fait toute cette zone quasiment, c'est incroyable. Je vais essayer de me TP. Ça me fait vraiment peur quand je me dis que j'ai vraiment fait toute cette zone quasiment. Quand je me dis que j'ai quasiment fait tout le jeu là. Parce que si je termine en fait ça, j'ai quasiment fait plus ou moins tout ce que le jeu de base attendait de moi. Donc on verra. Je cherche des trucs à accomplir. Oh, elle m'a fait peur. Jusqu'à 10% mon putain de potentiel. Et je m'en veux trop, car je perds trop de temps. J'avais pas vu un truc ici. Ah, attendez. Pourquoi il y a des gens qui me parlent? Map. Vous avez choisi le mauvais moment pour moi. Et toi ta mère c'est une chienne, je l'ai vu dès que je t'ai vu. Calculé. Alors. Ok, il me reste encore quelques petits trucs à faire. On va aller là-bas. Image. Et on va aller regarder. Alors. Ça c'est fait. Là, 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 là. Là en fait c'est plus ou moins. Ouais, il me restera que vraiment que le haut à faire. Donc on verra ça plus tard. Moi je vais aller là-bas. As, ya. Un adversaire est proche.
par contre là, il pense qu'il a des couilles et ça, ça me saoule. Alors lui par contre, il a de la vie, hein. Caché ici. Ok. Toi t'es mort. Il reste quasiment rien à faire. Oh, putain c'est fou. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une grande partie de la zone. Alors du coup de ce côté on a shooté un mec qui est tombé, qui est mort, on s'en fout. Chacun sa merde, ici. Quelques trucs sympas, qu'est-ce que c'est que j'ai repris là? Plus que 10%, on peut 8 ans de potentiel. Et je crois là, car je perds trop de temps. Ok, un coffre de la compagnie orientale. Hop là, voilà. Important, je prends une hache. Hop. Alors là, vous vous dites pourquoi il prend une hache, ce con. Il faut savoir que quand je vais faire ma maison, donc plus tard, j'aurai besoin de cette hache. Donc on verra. Alors, on va tout déposer là. Ça c'est top. Ensuite, vers les tenues de merde, on a ça. Merde, mais quel con. Oh. Oh tant pis. Alors ouais là-haut. Ah c'est sympa de savoir ça sur les enchantements. Je sais pas tu vois. Ok, on va aller là-haut maintenant. As, ya. Yeah.
qu'est-ce que tu dis, toi? C'est compliqué là. Ouais, le rôle le plus simple de votre dossier est bien septimique. Bon, maintenant, il faut pas déconner non plus. Voilà, hein. Mec, t'as ça qui arrive.
J'ai même pas envie de les fouiller, je sais que je vais rien avoir quasiment. Que de, des petites babioles. Ok, pas mal. Bon, pas besoin de les fouiller, je sais que ça rapporte pas beaucoup beaucoup quoi. C'est une mine par contre, et j'aimerais bien la trouver la mine. Mine de la défense brisée, c'est parti. Est-ce que ça va 5 minutes hein? Faut pas oublier que... Ok. J'arrive avec mes Nagama, gros terre comme Takana, Ancinis comme Tatana. Je fume la Kali, je suis dans les piles palais Alkali. Ça va 5 minutes hein. Ok super. Hop. Ok, ça c'est fini. Il nous reste du coup le petit temple là-haut à aller voir. Et 2-3 petits trucs que je pense que je terminerai dans le prochain épisode. Et ben voilà, rapidement on l'a terminé ce petit jeu là. De Stelrim Bah écoutez c'est parti hein Gominé. Donc voilà écoutez petite vidéo vraiment détente hein, j'ai pas beaucoup parlé, c'était vraiment très très calme. Je voulais vous laisser profiter au maximum du calme en quelque sorte.
Oui, c'est un bug, je pense pas que ça soit possible. Passe. Obligé, on a peut-être un qui va se réveiller, c'est parti. Je pense qu'il y a assez de cell rim en fait là pour faire une armure et des armes, non. Il va y avoir un truc cool dans la glace, là je pense que c'est un drogueur. Voilà donc full miné. Et du coup j'arrête la vidéo une fois qu'on aura fini de tout miner, totalement calme. Vous pouvez quitter partir dès maintenant, je vais pas dire grand chose, hein. Je suis plutôt un petit peu fatigué là, je vais plutôt je pense aller me coucher ou quoi. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu, j'ai vraiment trouvé assez kiffant de le faire, c'est assez cool. Même si je suis fatigué, c'est rigolo, j'adore Skyrim, c'est top. Donc voilà, dans le prochain, je pense qu'il nous restera un ou deux épisodes grand maximum avant de tout terminer. Donc c'est sympa. Il ne reste vraiment plus grand chose à faire quoi, c'est cool. Donc voilà, je vais laisser la vidéo tourner pour ceux qui veulent voir. Hein. Moi, je vais couper le son. Voilà, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, dans une prochaine vidéo. Bye.